l'acteur James Bond n'avait pas décidé en 1974 de passer par cet endroit, cet îlot serait certainement complètement inconnu du grand public. Seulement voilà, James Bond, ça fait rêver et les Thaïs ont bien su profiter de ce nom sans même qu'il y ait le moindre droit d'auteur. Le touriste qui vient pour la première fois en Thaïlande, et apercevant dans les agences de voyage le nom de James Bond Dylan sur bon nombre de dépliants, se laisse forcément attraper. James Bond Dylan. Voici le symbole de l'endroit. Un rocher en forme de clou tombé du ciel. En Thaï, le lieu s'appelle Koh Tapu, Koh Elganil. Tapu, clou. Vous voyagerez dans les eaux de la baie de Phan Nga, regorgeant de plus de 100 îles et affleurements calcaires rocheux. Cette excursion d'une journée au départ de Phuket vous emmène sur la célèbre James Bond Island, puis dans les lagons de Taluila en canoë, et vous pourrez vous aventurer à pied à travers les grottes cachées. Votre visite d'une journée, avec le transport aller-retour depuis et vers l'hôtel, comprend également un repas et un moment de détente sur une plage isolée de l'île Naka. One and a half hours drive.